Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de notre aventure avec la Corée où nous bataillons contre l'Ottoman. Mais à force, nous allions y arriver parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Ah là, les rebelles commençaient à être partout. Voilà, 80. Voilà, fin du siège de Sinope, c'est parfait. Donc là, on peut faire du carpet de siège en fait. On va pas s'embêter. On va faire du carpet de siège. Ok, très bien. Ici, normalement, on les défonce. Alors pas tant que ça parce que je pense que c'est dans les montagnes, ouais c'est ça. T'as fait la connerie d'attaquer dans les montagnes. Donc ça c'était très con. Bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent des fois. On fait des conneries. C'est pas grave. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est que je suis à 49% en Trébizonde. Et ça. Ça me convient parfaitement. Voilà, hop là. Toi, tu viens ici. Ah. Pourquoi vous rejoignez les coalitions, les gens là? C'est pénible quand même. Laissez-moi faire mes petites affaires tranquilles, bon sang. C'est quoi que cette manie là de faire des coalitions à tout bout de champ là? Le 49% n'est pas passé. Hein. Tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Ouais, non, c'était dans les montagnes, c'est pour ça que j'ai pris cher. Je rappelle. Allez, c'est pas grave, on y retourne, on se pose pas de questions. De toute façon, normalement, je vais bientôt faire la paix. Je vais juste attendre que Trébizonde, ça soit pris. Ah là 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 là. Quand je vous dis que j'ai pas de peau. Quand je vous dis que j'ai pas de peau. Bon, bah tant pis. On ne peut pas prendre Trébizonde. C'est triste, mais c'est la vie. Malheureusement, alors, est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes? Dégâts de l'artillerie depuis la seconde ligne. Le problème, c'est qu'ils rappliquent tous là. J'ai peur que ça soit pas le bon plan. Préparation de guerre. Allez, soyons fous. Alors on peut se dire tout ça pour ça, mais fondamentalement, c'est pas tout ça pour ça. Hop là, donc ça c'est très bien. Et alors, Gazikoumouk, par contre, j'aime autant te dire que je vais te défoncer. Alors, toi, tu peux venir là. D'ailleurs, en termes de forteresse, j'ai toi à faire. Et toi à faire. Est-ce que.
On a des manufactures. Oui, on en a, comme toujours. La production. Ouf, ça fait mal quand même. Ça fait mal tout ça. Ça fait très très mal. Très bien. Alors. Bon, du coup, ici, c'est 100%. Soit admettons. Vous allez tous par là. Ça sert à rien de se prendre la tête. On va attendre que lui revienne. Non mais l'intérêt c'est surtout qu'on va pouvoir attaquer le Portugal. Ouais, 15, allez 15, très bien. On va pas s'embêter. Ah, parfait. Les gens se retirent de la coalition. Ils ont compris que ça servait à rien. Réputation entachée, c'est qui? Mexique. Putain. C'est arrivé le Mexique, quoi. Donc ça, je peux le donner à Sibir. Donc demander la paix. Donc ça, c'est pas compliqué. Tu donnes tout ça à mes vassaux. Et moi, hop là. Je prends tout ça ici. Voilà. Parfait. On se pose même pas de questions. Bam! Voilà. Ok, donc ça sera un très bon fort de niveau 8 une fois qu'il sera fait. Bon là ça coûte que dalle, donc on se pose pas de questions non plus. Très bien. Bon, ben voilà. Que dire d'autre? Ben ça t'es déjà à fond, hein, en fait, fondamentalement. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Alors le Mexique, est-ce que par hasard... Non, t'as même pas de dette. Sibir, Pégou, on s'en fout. Oïrat, t'as pas de dette. Ouais, la Californie, la Cascadie. La Louisiane, c'est bon. Ok. Bon, ben, c'est pas mal tout ça. Pas mal, ouais, t'aurais dû prendre ça aussi, exact. Moi, ouais, j'y ai pas du tout pensé. Donc, maintenant, le but du jeu, c'est d'attaquer la Tunisie. Très bien. Et après, on va pouvoir retourner du côté de l'Inde. Allez, on va par là. Donc toi tu viens là, hein, globalement. Toi tu viens là et on va attaquer la Tunisie. Parfait. Toi tu viens là. Non, ça que du coup là. 13 000. Il est quand même bien en PLS. Hein. Ah putain, il va falloir se battre contre le français. Un jour ou l'autre. Il va falloir se battre contre le français. Très bien. Bon, soit. Hein. Pas très très grave non plus. Alors, le Mexique. Ah, c'est qu'il m'aime bien en plus. Sur le continent, ça sert à rien. Ouais, c'est ça qu'il faudra prendre après.
C'est clairement ça qu'il faudra prendre. Et après, ben, écoute, on attaquera éventuellement la France ou pas, on verra tout ça. Je sais pas où tu vas, bon, peu importe. Alors moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est ça. Et ça, hop là, voilà. Et on va déclarer la guerre à la Tunisie. Ah, fuck. Donc va falloir que je me batte contre la France. Je ne vais pas avoir le choix. C'est pénible, c'est très pénible. Donc, monsieur le Maroc, je déclare la guerre. Non, mais j'ai remonté tout ça, quoi. Impérialisme, voilà. Je prends celui-là. Hop là. Ça va être vite fait, bien fait. Voilà, 28%. C'est parfait. Le Maroc constitué un réseau d'espionnage. Ça va être très bien aussi. Donc là, on est très bien. Fondamentalement, on est très bien. Et toi, hop, tu peux te permettre de faire ça. Ok, bon, la Suisse qui prend des trucs, pourquoi pas. Aïe. Fin du siège d'Alexandrie. Moi, ça me va. Tunisie constituée et un réseau d'espionnage, voilà. Alors, on va se rapprocher de la France petit à petit. Ça sera très bien. Ok. Voilà. Stack wipe. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est limpide. Alors. Ouais, écoute, on va faire comme ça. Fin de la trêve avec Sibir, pourquoi pas. Moi, je continue mon avancée, parce qu'il n'y a aucune raison que je l'arrête. D'accord. Bon, il déclare ses guerres tout seul, pourquoi pas. Je vais pas l'arrêter. Je ne vais pas l'arrêter. On va prendre tout ça sans réfléchir. Un empereur sur le trône, soit. Ok, donc là, il va venir ici, admettons. Donc toi, tu peux venir quelque part par là. Hein. Donc là, je contrôle les séparatistes. Très bien. On continue à avancer. Il hein. n'y a aucune raison de s'arrêter. Absolument aucune. Bon, eux, ils se font la guerre entre eux, pourquoi pas. Voilà, le mandat 027, ça commence à être très bien. Un commandant nous a quittés. Ben, fallait bien que ça arrive à un moment. Hein. C'était à peu près évident que ça allait arriver. Alors, tant qu'il y a un bateau ici, je peux rien faire, par contre. Donc, à la limite, va directement ici, ça sera plus simple.
Très bien. Oui, Brabant, c'est parfait. Ah! Alors là, t'en fais gaffe. Fais très attention parce que là, j'ai vu 40 troupes et ça me plaît pas du tout de voir 40 troupes. Mais alors pas du tout. Donc là j'en ai 6. Là j'en ai 7. Et 7, 14. Donc ces deux-là vont ensemble. Et... Ah oui d'accord, bon c'est en tondu, pourquoi pas. De toute façon, le Tondou, il est en train de me trahir, là, donc... C'est absolument inadmissible. C'est quand tu veux, toi. Voilà. Ouais, c'est dans les montagnes. C'est quand même pas terrible. Putain, et du coup, il est obligé d'aller par là, quoi. 92 000. Bon, ben ils vont se faire stack wipe. Ravi de t'avoir connu, mais ils vont se faire stack wipe. Ils ne peuvent que se faire stack wipe. Ça va être tendu du slip. Ça va être très tendu du slip. Ouais. Ouais, tu te dépêches. Ou pas. Putain, je vais gagner. Ah, j'ai des chances de gagner. Ah, putain, si je gagne. Ah, ouais. Ouais. J'ai gagné. Je pensais pas. Hein. Ok. Donc, toi, tu viens là. Pourquoi pas? Si ça avait été des troupes ottomanes, j'aurais plus que largement perdu. Mais heureusement pour moi, il ne s'agissait pas de troupes ottomanes. Donc c'est bien en fait. Le 16. Ah zut. Allez. Bam. Et là, normalement, dès que lui arrive. Ah, le zéro. Bon. Ah oui. Ah oui. 11 000 chevaux en moins, quand même. Quand même. 11 000 chevaux en moins. Très bien. 93 000. L'agnexion totale a été exigée. Ouais, non, mais là, l'Europe est en train de prendre pied sur l'Asie. C'est complètement inacceptable, quoi. Ça va pas du tout. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'ils se font même pas la guerre entre eux, quoi. Je veux dire, t'es censé avoir des rivaux, toi, tu vois. Bah, ouais, mais non, il se passe rien. Ok, donc là, tu l'as laissé tomber, ce truc-là, pourquoi pas. Allez, c'est pas grave. On continue tranquillou. On avance petit à petit. Ok, donc Jaunpur aussi va rentrer dans la coalition, j'imagine. Ça serait logique en tout cas. Faudra m'expliquer comment lui il peut aller là
Et lui peut pas en fait. Ça a juste pas de sens. Waouh. Et là, j'ai pas fait. Ah, le 9-0. Ah, le 8-0. T'arrives le 20 septembre. Ah, ça va être chaud. Ah, le 9. Le 9 m'aide bien. Ok. Donc toi, siège de 1, tu peux venir là. Ok. Donc toi, tu restes là pour le moment. Et après, tu vas venir là. Voilà. Procédons par ordre. Donc, je sais pas trop ce que fait le Suisse, mais rien de bien intéressant. Allez, hop. Donc, ce fort-là, hop, il passe niveau 8. Ce fort-là, par contre, tu le dégommes. Et ce fort-là aussi, il va passer niveau 8. Parfait. Ah, agent repéré, ça c'est dommage. Bon, ça va être une formalité. Allez. Tu peux venir là. Parce que là, il est en train d'arriver. Voilà. Donc là, il a compris, donc il se barre, c'est très bien. 42% ici. Fin des conflits intérieurs chez le Mamelouk, qu'on soit admettons. Allez, 42. Ouais, 119 000. Il a plus grand chose. Ah, 55. Ah. Et le Suisse arrive. Le Suisse arrive. Ouais, ça par contre c'est pas bon. C'est pas bon du tout ça. Allez. Putain, et comme par hasard le siège qui tombe pas ici quoi. Putain, ça va se jouer à rien du tout. Ok. Alors qui c'est qui machine? Ok. Le Mexique, on sait pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Allez. Très bien. C'est pas trop tôt. Fin du siège du Kef. Boum, boum, voilà. Donc là, normalement, il a compris que fallait pas qu'il fasse ça. Donc lui il va là. Et lui il va là. Et là normalement on le défonce. Bam, 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 bam. Allez. C'est surprenant quand même. Je pensais pas que ça serait si dur. Alors ça, c'était pas du tout prévu par contre. Donc on va aller par là. Parce que ça peut être très pénible. Ouais, ok, t'es en guerre contre tout le monde, vas-y. Fais ta guerre là. Donc toi, ouf. Tu peux prendre lui, il est pas si mal honnêtement. Ah putain, j'ai les séparatistes malakas du français quoi. Non mais non, sérieux. C'est débile quoi. Non, c'est débile. Agitation locale si tu veux.
Non, ça devient pénible, quoi. Toujours devoir s'occuper des rebelles des autres. C'est bon, quoi. Ça va bien 5 minutes, mais... Ah, ok, parfait. Donc on peut continuer ici. 33 000 hommes, quand même. Faut faire gaffe. Alors... Ici, on est bon. Oh, ça m'intéresse. Bah écoute, faut venir là. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, moi? Oh, le Marocain, quoi, j'y crois pas. Hey, mais le Marocain, il est nombreux. Hein. Je pensais pas qu'il serait si nombreux. Hein. Ok, parfait. Donc là, par contre, ça va être terrible pour lui. Ça va être terrible pour lui, là, le Marocain. Parce qu'il a nulle part où aller, en plus. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait, ça va être terrible pour lui. Non mais moi je continue ma progression, hein, j'ai aucune raison de l'arrêter. Voilà. Ici on va continuer sans problème. Pomme. Donc toi t'arrives le 20 novembre, toi le 19. Donc on va attendre un jour de plus, le 20, le 20. Et il faut recruter 4 mercenaires. Donc on va recruter 4 mercenaires. On va pas s'embêter plus que ça. Alors, le 6, le 4, le 6, allez, allez. Ah, le 0, le 0, le 1, esprit de corps, ça c'est parfait. Ok. Hop là, les mercenaires viennent ici. Alors. Ici, j'ai toujours des choses à développer. Ça coûte vraiment pas cher. Voilà. Très bien. On développe, on développe. Donc toi, tu peux venir là. Toi, tu peux venir là. Ah, zut. Ok. Très bien. C'est ça qui est pénible, en fait. Avec le fait que je peux pas prendre ce truc... à cause du fort là. Du coup, j'aurai toujours des gens qui vont sortir. Allez. Là, on va prendre ça. Donc, toi, faut que tu restes là en fait, globalement. Ok, parfait. Bam, voilà. Donc, tu prends ensuite celui-là. Et tu viens ici, tout simplement. Donc là, ça devient tout à fait sérieux. Très bien, fin du siège. Ah,
Ah oui, parce que c'était qu'un fort de niveau 2, c'est pour ça que ça allait vite, d'accord. J'entends bien. Donc là, j'ai 17 000 Suisses à aller défoncer. Soit. Bah écoute, on va défoncer les 17 000 Suisses. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ah, moins 57%, ça fait mal par contre. Ouais, je peux pas parce que je sais pas contrôler. Il faut d'abord. Ah, Boudiou. Ah, il est vraiment trop nombreux, quoi. Alors. Toi, t'es toujours pas arrivé ici. Très bien. Ah, on n'y voit rien. C'est ça qui est pénible. Alors. Ok. Bon, si on peut perdre 10 de mandat, c'est pas très grave. Allez, faut que tu viennes là, dépêche-toi. Ok, parfait. Très bien. Il y en a d'autres qui veulent venir? Oui, non, peut-être. Loyauté récompensée. Et là, j'ai pas trop le choix. Le Suisse. Ok, bon, tout le monde sortir de la coalition. Ah, Boudiou. Ok. Donc ça, c'était cousu de fil blanc. C'est bon, t'as réussi à t'occuper. Ah oui. Donc là, faut que j'aille m'occuper des animistes ici. Super, comme si j'avais. Oh, putain. Que ça à faire. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Alors, on peut faire quelque chose ici. Voilà, combativité de l'infanterie. Bon, ça m'intéresse grandement. J'en ai besoin. Clairement, j'en ai besoin. Voilà. Bon, on va continuer de les sortir un par un, comme un débile. Admettons. Donc là, par contre, ça va être un problème. Ça va être un problème. Donc, toi le 30, toi le 1er septembre. 31. 1er, parfait. Là, par contre, vous allez mourir. Ah non, incroyable. Incroyable, mais vrai. Le 4-1, le 6, voilà, voilà, voilà. Très bien. C'est ça qu'on veut voir. Toi, tu peux retourner là, et toi, tu viens par là. Ok, donc eux, ils arrivent, plus fertile, c'est très bien. Parfait. Toi, tu viens là, comme ça, on va vous fusionner.
Oui, non, peut-être. Très bien. Allez. Donc là, normalement... Voilà. Il doit commencer un peu à tirer la langue. Mais ouais, c'est les formes niveau 8 qui sont compliquées, comme toujours. Ok, parfait, des brèches. J'en demandais pas tant. Et donc là, il continue, lui, il est là-bas, là-bas, là-bas. Il réfléchit pas plus que ça. Hein. Bon, ça, d'accord, il fait banqueroute, admettons. 64%, comme d'habitude, il n'y a rien qui marche. Allez. Donc là, j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Mais bon, encore une fois, c'est pas très important. J'en ai pas besoin plus que ça, quoi. Ouais, fort niveau 8, forcément, c'est compliqué. Et alors là, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Ok. Bon, là, les 28%. Normalement, on les défonce. Oui, non, peut-être. Voilà. Boum. Le gouverneur, si tu veux. Alors, en plus, ce qui est terrible, c'est que, voilà, il a aucun canon. Enfin, ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Bon, tu déclares la guerre contre la Géorgie, si tu veux. Ah, il fait venir du monde, hein. Allez, 0%. J'imagine que du coup t'es en dette. Non, tu n'as aucune dette. En même temps, t'as rien fait pendant 400 ans, donc. Je dirais presque que c'est normal que t'aies aucune dette, quoi. Oui, d'accord, j'ai découvert un truc. Soit, admettons. Allez, on va s'occuper de tout ça vite fait, bien fait. 7%, faut que ça tombe. 14%. Forcément, fort niveau 8, c'est compliqué. Ah, j'ai peur là. Ah, fin du siège. J'ai eu de la chance. Une fois de plus. En ce moment, j'ai beaucoup de chance, hein, je reconnais. Il faut savoir le reconnaître quand la chance nous sourit. Il faut savoir le reconnaître. République des deux nations, la révolution est en marche. Soit. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? La révolution est en marche, hein? Alors, lettre de marque invalidée. Allez, soyons fous. Ouf. Ça, c'est pas le bon plan, il y a trop de monde. Allez, 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 c'est pas bon ça. Donc là, tu peux venir ici, éventuellement. 56. Ouais. Le problème, c'est que tu as une attrition de mammouth. Il faut qu'on aille s'occuper de ça.
Sinon, il ne fera jamais la paix. Réputation entachée pour changer. Le vin, très bien. Là, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Voilà. Oh putain, le 9 en plus. Oh! Stack wipe. 44 000 hommes. Voilà. Très bien. Bon, niveau 8, la capitale, par contre, là, c'est clair que... on fait ça. Niveau 2 ici, obligatoire. Et là, on vient par ici pour aller l'aider. Donc normalement, 28, 25. Donc il en faut 3. On les aura. Bref, on va s'arrêter là pour cet épisode qui a assez duré. De toute façon, je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois pour finir cette guerre contre le Maroc et la Tunisie. Et venir petit à petit se rapprocher de l'Europe. Allez, ciao.